Et dans le sud de Bangui, la population bénéficie d'un pont modulaire. Cet ouvrage, inauguré par le gouverneur de cette province, vient pallier les difficultés des infrastructures de desserte agricole dans ce coin de la République démocratique du Congo. Construit par l'Office de route avec le financement du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, financement additionnel, les ponts modulaires métalliques SAO 1 et SAO 2, situés respectivement au PK37 et au PK42 sur la RP322, axe Kolongo-Boujala-Yakamba, dans le territoire de Boujala. Ces ponts viennent d'être inaugurés par le gouverneur de la province de Chibangui, Jean-Claude Mabezek-Baybens, au cours d'une grande cérémonie où l'on notait la présence de quelques députés et ministres provinciaux, les membres du comité provincial de sécurité, ainsi que le directeur provincial de l'office de route, structure pérenne de l'État, l'ingénieur Didinzuzi Kitukila, qui a aisement décliner les caractéristiques de ces deux ouvrages de communication. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le gouverneur de province, dans son adresse, a remercié le président de la République, chef de l'État, et a lancé un appel à la population pour la protection de ces ouvrages. D'abord, je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à son gouvernement ainsi qu'à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette mission. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est officiellement de lancer l'utilisation de ponts SAO 1 et SAO 2 par les usagers de la route. C'est des ouvrages qui étaient attendus depuis très très longtemps et aujourd'hui, vous avez vous-même vu la satisfaction de la population. Je crois qu'avec ce qui s'est fait ici et de l'autre côté à Boujala, ça donne l'espoir que cette province va bientôt décoller. Il s'est de noter que la construction de ces deux premiers ponts sur un lot de 8 est un motif de fierté pour le directeur Didinzuzi Kitukila, qui a eu des mots justes pour mettre en exergue le leadership de son directeur général. Donc, bref, l'office de route est satisfait. Nous avons ce sentiment d'avoir accompli une mission, celle qui nous a été assignée.